Hey les amis, c'est Pokéugi. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture pour les petits 400 abonnés qui me suivent. Du coup, on va s'ouvrir 4 boosters diamants et perles aubes majestueuses. J'espère en tout cas que cette ouverture vous fera plaisir. C'est des boosters assez rares actuellement. Diamants et perles, c'est vraiment une série. Si vous êtes collectionneur, je vous invite à vraiment en acheter parce que d'ici fin de la série XY, je pense que la cote va vraiment augmenter. Du coup, ça sera vraiment dommage pour ceux qui veulent compléter la série, etc. En tout cas, je vous remercie énormément de me suivre actuellement. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et puis, j'espère énormément que notre communauté va s'agrandir encore et encore. Pourquoi pas aller jusqu'aux 1000 abonnés. Du coup, si vous êtes de passage sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir atteindre les 1000 abonnés. Mais bon, déjà, on va commencer par les petites illustrations. Du coup, je n'ai qu'une seule illustration, donc je n'ai pas réussi à trouver les autres. Je les avais achetées déjà il y a pas mal de temps. Du coup, comme j'en avais vu 4, j'ai dit bon, c'est pas grave, si les illustrations ne sont pas les mêmes, c'est pas très grave. Enfin, du moins, si c'est les mêmes. Du coup, j'ai pris les mêmes illustrations. Du coup, ça sera Hippopotas, je crois, mais je ne suis pas sûr. N'hésitez pas à me corriger en commentaire. Du coup, on est parti. On va se faire plaisir, voilà, je vais faire tranquillement l'ouverture. C'est des boosters qui datent de 2008, quand même, c'est pas mal. Donc ouais, ça fait 8 ans que c'est sorti la série. 8 ans, c'est pas mal, hein. Du coup, je vais essayer d'ouvrir tranquillement les boosters, sans trop les abîmer pour ceux qui veulent les illustrations. Les boosters vides, vous pouvez me dire, hein, vous me demandez via mon Skype que vous retrouverez dans la description. Est-ce que tu as un booster vide pour moi, nanani, et puis je vous l'envoie, vous avez juste à me donner un timbre et tout pour que je puisse vous l'envoyer. Voilà. Du coup, je l'ai ouvert plutôt pas mal, hein. Sans vous mentir, je vais voir si ça va passer. Oh, parfait. Du coup, je l'ai ouvert pas mal, j'ai même pas fait de truc derrière, voilà, tranquille. Donc si vous voulez un booster, demandez-moi. Du coup, ça sera le booster test parce que je me rappelle plus de l'emplacement des cartes. Voilà. Donc, ah, c'est franchement une série extraordinaire. Elle est magnifique. Hop. Donc, on est parti avec un petit Goinfrex qui est juste magnifique. Ah, ça m'a manqué. Franchement, les ouvertures comme ça, par rapport à XY, je préfère Diamant et Perle, l'Appel des Légendes, Block X, etc. Franchement, c'était des séries exceptionnelles. Surtout les illustrations qui étaient vraiment magnifiques. Du coup, Goinfrex qui est magnifique. Ammonita, ouais, sympa. Franchement, magnifique. Moufouette, petit Moufouette. Un petit Tévoli, sympa. Archéomir, très bien. Donc, on est déjà à la Reverse. Donc, c'est la cinquième. Donc, la reverse 6. 6, c'est des boosters de 10. Ouais. Du coup, c'est pas grave. On fait un booster test. Et derrière, donc en reverse, on aura une trainer super rappel. Très bien. Et derrière, nous aurons en rare un petit Cisaiox qui est vraiment sympathique. Très bien. Du coup, il y aura une trainer sombre ball. Et le petit Simularbre. Et une énergie guérison. Très bien. Du coup, c'était placé comment? Voilà, c'était comme ça. Tac, tac. Donc, en gros, il faut que je fasse... voilà. Donc, ouais, c'est 1, 2, 3, 1, 2. Ok, ça change pas. Très bien. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais essayer d'ouvrir celui-ci aussi correctement pour vous. Je pense à vous quand même. Hop. Surtout si vous voulez des codes online aussi, parce que dans cette série, forcément, il n'y en a pas. Demandez-moi via mon Skype ou en commentaire, je vous en donnerai, il n'y a pas de problème. J'en ai pas mal en plus. J'ai toutes les séries XY, quasiment. Hop,
Du coup, un deuxième booster qui est plutôt bien ouvert. J'ai pas déchiré derrière et tout. Parfait. Je suis plutôt bon avec les boosters. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, du coup. J'espère que c'est bon, parce que si c'est pas ça, ça va être un problème quand même. Du coup, vous avez déjà 5 minutes. Oh là là. Je vais peut-être zoomer légèrement. Ouais, voilà. Donc, on est parti avec un fossile dôme. Ok, ça doit être Kabuto, ça. Ouais. Ensuite, étourmi. Petit étourmi. Beaudrive. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ce Pokémon. Ensuite, Chuniti. Un petit Chuniti. Très bien. Dynavolt. Waouh, superbe. Les illustrations, franchement, elles sont magnifiques. Ensuite, une traîneur. Donc, Pokéball. Petit Primplouf. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, toi. Une énergie santé. Ok, pourquoi pas. En reverse, bah, du coup, on aura Beaudrive en reverse. Très bien, pourquoi pas. Et derrière, nous avons un Pangoléon en rare. Ok, très bien. Pourquoi pas, il est plutôt sympa. Du coup, je vais la mettre de côté. Hop, voilà. Je vais pas faire de récapitulatif, hein, comme c'est pour les 400 abonnés. Du coup, je vous invite à regarder la vidéo entièrement. Si vous avez le temps, bien sûr. Si vous n'avez pas le temps, bon, bah tant pis, c'est pas grave. Donc, celui-ci, je l'ai balle ouvert. Du coup, on va pas trop s'embêter. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, hop. Voilà. Donc, on est reparti. Avec un petit étourmillon, une double. Bon, tant pis. Encore une double, Beaudrive. Encore une double. Encore une double. Encore une double. Oh, j'en ai marre des doubles. Bon, surtout que j'ai quasiment pas de cartes de cette série. Donc, on est parti avec Restauration d'énergie. Rapace de pique. Très bien. Une énergie obscurité. Ouais, pourquoi pas. En reverse, Evoli. Quand même, tout de même, une petite commune reverse qui est plutôt sympathique. Et là, nous aurons Pangoléon en rare. Une double. Non, il me faut une niveau X. Pour l'ouverture des 400, obligé, il me faut une niveau X. C'est pas possible, quoi. Hop, voilà, je vais essayer d'ouvrir. Bien. Voilà, comme ça fera 3 boosters. Si vous voulez. Tac. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, voilà. Tac, on est parti avec un petit Evoli qu'on a déjà eu, il me semble. Ensuite, petit Tortipousse qui est plutôt sympa avec une béquille cale. Je sais pas pourquoi. Si Tortipousse est confus, retirez-lui l'état spécial confus à la fin du tour. Ok, très bien. Cradopo, sympa. Chaglam, Tiplouf, petit Tiplouf, tout mignon. Du coup, on aura eu les trois starters, pardon. Sombre Ball, Exelang, ok, pourquoi pas. Primpouf, qu'on a déjà eu. Hippopotas, du coup, à l'évolution, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Donc, ça sera une commune reverse. Et là, nous aurons Pyroli en rare. Très bien. Ok, pourquoi pas. Bon, ça aura été une ouverture quand même plutôt sympathique, je ne sais pas pour vous. Diamant et Perle est quand même une série où c'est vraiment galère d'avoir une ultra, surtout sur 4 boosters, contrairement aux ouvertures XY, pardon, où là on peut avoir pas mal d'ultra à partir de la série Ciel Rugissant. Ouais, c'est ça. À partir de Ciel Rugissant, franchement, vous pouvez. Vous avez une chance sur deux en fait de tomber sur une ultra sur 4 boosters à peu près. Plus ou moins, mais après, avant ça, surtout sur Diamant et Perle, on avait peut-être 4 ou 5 niveaux X, je ne suis pas sûr. Du coup, c'était vraiment galère d'avoir des niveaux X. Niveau X, pour ceux qui ne savent pas, bien sûr, c'est les ultra rares de l'époque, avant les ex, full art, etc. Du coup, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes de passage sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre mes vidéos Pokémon. Et pour pouvoir agrandir la communauté, surtout, et arriver enfin aux 1000 abonnés pour qu'on fasse une ouverture vraiment sympathique. Je vous prépare quelque chose de vraiment sympa avec des boosters Wizard ultra rares. Du coup, je vous dis pas quoi parce que sinon, c'est plus une surprise. Je vous dis déjà Wizard, vous allez me dire, ah, ça sera pas mal. Du coup, en tout cas, j'espère quand même que ça vous a plu. On a eu plus ou moins de la chance, on a eu de belles rares, même si on a eu une double, mais bon, c'est pas grave.
Du coup, pour mes doubles, si vous voulez et que vous ne les avez pas, je peux vous les envoyer. Hein. Même principe, vous me parlez sur Skype. Donc, c'est Poké Yugi 3. Donc, Pokeyugi et 3. Voilà. Comme ça, vous m'ajoutez, on discute, il n'y a pas de souci. On se fait des échanges si vous préférez. Et puis, je vous envoie ça quand vous m'envoyez une lettre. Si vous voulez des cartes, j'en donne, il n'y a pas de souci. Du coup, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie à tous de me suivre et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!